Bonjour, c'est Mallory de CNKR. Je suis très contente de vous présenter le replay de la visioconférence qui a eu lieu le jeudi 29 avril 2021 à 20h30 avec Angélique Charnollet qui est médecin ORL et avec Olivier Guiton qui est masseur kinésithérapeute sur le thème des vertiges et de la rééducation. Donc Alizé, qui fait partie de l'association CNKR, va nous présenter un petit peu l'asso. Et puis ensuite, on laissera la parole à Angélique pour commencer le topo. Voilà, bon visionnage et à bientôt. Ok. Bonsoir à tous, hein. Merci d'être là ce soir. Donc, pour rappel, nous, on est l'association CNKR, conférence nantaise en kinésithérapie et rééducation. On organise des conférences à Nantes depuis maintenant 2 ans. 3 ans, 2 ans. Donc, normalement en présentiel, autour d'un verre, c'est un peu plus sympa, mais bon, depuis quelques temps plutôt en visio. Donc, le thème de ce soir, c'est vertige et rééducation. Oui, c'est ça. Et kinésithérapie, voilà, comment évaluer, trier et référer les patients en fonction de leur type de vertige. Et on a la chance d'accueillir ce soir, c'est Angélique Charnollet, qui est médecin ORL à Jules Verne, et Olivier Guiton, qui est kinésithérapeute à Saint-Plus. Bonjour. Donc, on vous a remis le lien dans la discussion, on vous a remis le lien pour la cagnotte Litchi. On rappelle que les conférences sont gratuites, mais que voilà, ça peut nous donner un coup de pouce pour d'avoir des financements aussi. Donc, on a remis la cagnotte Litchi dans le chat. Et je vais mettre aussi un lien parce que, en parallèle, alors rien à voir avec les vertiges, mais on a lancé aujourd'hui la page de la FREP 44, qui est une association de rééducation périnéale qui a pour but de créer du réseau entre les kinésithérapeutes qui pratiquent la rééducation périnéale à Nantes ou dans le 44. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, la page AFREP 44, pour qu'on puisse commencer à échanger tous ensemble et créer notre annuaire et puis notre page de réseau. Voilà, merci. Et maintenant, laissons la parole à Angélique pour commencer cette soirée de conférence. Ok, bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invitée. Donc, je suis le docteur Charnollet Angélique, médecin ORL au centre de consultation Jules Verne à Nantes. Alors, tac, je vais vous présenter un petit topo. Voilà, c'est parti. Alors, je vais vous faire quelques rappels anatomiques. Premier, voilà. Alors, l'oreille est partagée en 3 parties. On a la partie oreille externe avec le pavillon, le conduit auditif externe. On a l'oreille moyenne composée du tympan, des 3 osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et on a la partie oreille interne qui est composée du labyrinthe antérieur qui correspond à la partie équilibre et le labyrinthe postérieur qui correspond à la cochlée, la partie audition. Alors, au niveau de la partie oreille interne, hein, il y a le labyrinthe osseux. Elle est déjà composée d'une partie qu'on appelle le labyrinthe osseux. Donc, on a le labyrinthe antérieur hein, qui est pour l'équilibre, et le labyrinthe postérieur qui est la cochlée, qui est dédiée à l'audition. Au sein même de cette partie osseuse, on a ce qu'on appelle le labyrinthe membraneux. Et c'est là que les éléments anatomiques sont très importants pour l'équilibre. Donc, hop, au niveau du labyrinthe membraneux, là, vous avez différentes parties. Donc, on appelle les canaux semi-circulaires, le canal semi-circulaire supérieur, latéral ou horizontal, et le canal circulaire postérieur. Vous avez ce qu'on appelle l'utricule, vous avez le petit sacule, et là, on retrouve le conduit cochléaire. Au sein de ce labyrinthe membraneux, vous avez des capteurs qui vont permettre de renseigner le cerveau sur les accélérations angulaires et linéaires. Donc, au sein de ce labyrinthe membraneux, donc, vous avez ce qu'on appelle les ampoules, qui sont à l'extrémité des canaux semi-circulaires, et ces parties-là renseignent sur les accélérations angulaires.
et vous avez les macules qui sont dans les organes comme l'utricule et le saccule qui vont renseigner sur les accélérations plutôt linéaires. Donc dans ce labyrinthe membraneux, donc vous avez finalement 5 capteurs, vous avez les ampoules et vous avez les macules. Donc au niveau des macules, hein, c'est les fameux otolithes, là, c'est les fameux cristaux hein, qui parfois se décrochent et peuvent se bloquer dans les canaux semi-circulaires. Donc l'oreille interne, il ne faut pas oublier, hein, il y a aussi une partie vascularisation. Hein, et l'oreille interne est quand même vascularisée par des branches qui viennent quand même de l'artère vertébrale. Donc on a l'artère labyrinthique qui va donner l'artère vestibulaire antérieure, qui va irriguer les canaux semi-circulaires latérale et antérieure. Et vous avez l'artère cochléaire commune. Et après, bon, vous avez tout ce qui est l'artère cérébelleuse antéro-inférieure et puis le tronc basilaire. Hein, donc ça, c'est quand même assez important parce que l'oreille interne, c'est quand même quelque chose de vascularisé. Donc, il ne faut pas négliger la partie vasculaire dans les étiologies des vertiges. Alors, au niveau, donc j'ai fait quelques rappels anatomiques hein, pour remettre un petit peu les choses en place. Au niveau des vertiges, donc il y a différentes étiologies. Et sur le petit diagramme que vous allez voir, on a principalement l'étiologie principale, on retrouve le vertige paroxystique positionnel bénin, hein, le fameux VPPB. Et ensuite, vous avez la cause qui est la névrite vestibulaire, névrite ou neuronite vestibulaire. Après, on verra dans les diapos suivantes un peu la différence. Vous avez la troisième étiologie, c'est les vertiges vasculaires. Et on s'aperçoit que les vertiges costumorales et notamment les neurinomes hein, s'occupent quand même une petite place, hein, 2% dans le diagramme que j'avais trouvé. Mais j'ai oublié de parler aussi, la partie la plus importante, c'est aussi la maladie de Ménière hein, qu'on retrouve dans les étiologies vertigineuses. Alors, j'ai détaillé un tout petit peu sans rentrer forcément dans les détails hein, bien précis. Le vertige paroxystique positionnel bénin, qui est quand même la principale étiologie, est un détachement des débris autoconiaux de la macule. Hein, et ces petits débris vont se bloquer dans les canaux semi-circulaires. Je vais me remettre sur... Hop, si ça marche. Je vais me remettre sur une page d'anatomie. Voilà, tac. Voilà, les petits débris hein, qui sont dans les macules, tac, ici, peuvent se décrocher et peuvent se bloquer dans les canaux semi-circulaires. Le principal, c'est surtout le canal semi-circulaire postérieur. Hein, c'est la zone où il se bloque le plus souvent, suivi du canal latéral. Et le canal antérieur, c'est assez rare d'en voir, parce que c'est un canal quand même où ça se vidange très rapidement. Quand il se bloque ici, hop, ça se vidange rapidement dans l'utricule. Alors après, les causes des vertiges paroxystiques positionnels bénins, ben, ça peut être d'origine traumatique, ça peut être spontané et parfois ça peut être dans les suites de neuronite ou névrite. Alors qu'est-ce que c'est un vertige paroxystique positionnel bénin? C'est vraiment ce vertige, c'est une crise giratoire qui est vraiment déclenchée par la prise de certaines positions de la tête dans l'espace. Et c'est toujours la même position, c'est-à-dire ça va être le patient typiquement qui va s'allonger, qui va se retourner pour regarder le réveil ou autre. Et là, ça va tourner, ça dure quelques secondes à quelques minutes, ça peut être assez violent, ça peut être accompagné de vomissements, de nausées, on n'est pas très bien, mais il n'y aura jamais de signe auditif, hein, donc pas d'acouphène avec, pas d'oreille bouchée, c'est vraiment du giratoire avec des signes neurovégétatifs. Donc là, ben, la thérapeutique, ça va être quoi? Ça va être une manœuvre libératoire hein, réalisée par les kinés qui font ça très bien et sous contrôle vidéo nystagmoscopie. Hein, donc c'est pas la peine d'aller secouer le patient tous les 5 jours. Hein, c'est vraiment une manœuvre libératoire. Et après, bon, je pense qu'Olivier vous en parlera un petit peu, mais avec un contrôle une semaine à peu près après, mais c'est pas la peine d'aller secouer le patient tous les 2 jours. Donc, généralement, nous, quand on voit des vertiges paroxystiques positionnels bénins, bon, on s'arrête là dans les examens complémentaires. Après, quand il y a des récidives de vertiges positionnels,
On va un peu plus loin. Parfois, on peut être amené à demander des imageries comme l'IRM. Et parfois, on demande également, moi, je demande assez régulièrement des dosages de vitamine D. Parce qu'on s'aperçoit que parfois, des carences en vitamine D, des insuffisances en vitamine D peuvent favoriser ce type de vertige. Hein, les débris que je vous ai montrés au Tocogno sont solidarisés entre eux par de la vitamine D. Donc, c'est sûr qu'une carence ou une insuffisance peut entraîner des vertiges à répétition. Donc ça, c'est la principale étiologie hein, qu'on retrouve. Et la deuxième étiologie, on appelle ça la neuronite ou névrite vestibulaire. Donc on emploie les deux termes. Nous, on distingue bien en tant qu'ORL la neuronite vestibulaire, hein, qui est une atteinte bien souvent virale du corps cellulaire du neurone. Il n'y a pas de signe cochléaire, donc pas d'acouphène, pas de perte d'audition dans la neuronite vestibulaire. Alors que dans la névrite, on va distinguer la névrite, qui est une atteinte finalement du prolongement axonal. Et ça peut, cette atteinte virale peut diffuser au nerf adjacent, notamment le nerf cochléaire ou le nerf facial. Donc on peut avoir dans ce cas-là des signes cochléaires associés comme des acouphènes ou une perte d'audition. Donc typiquement, le patient va se plaindre d'un grand vertige rotatoire, giratoire, brutal, c'est assez bruyant, parce que ça tourne, il n'est pas très bien, il vomit, et par contre, c'est dans n'importe quelle position. Il est vraiment bien, c'est allongé dans son lit, la tête bien droite, et il a du mal de se lever. Donc nous, en tant que médecin, on va prescrire des antivertigineux pendant quelques jours, mais surtout, on va lui dire, bah, dès que vous pouvez mettre le pied par terre, vous filez chez le kiné vestibulaire pour faire de la rééducation, et c'est ça vraiment qui va le soulager, et c'est ça qui va le guérir. Après, nous, on le revoit tranquillement en tant qu'ORL pour faire des examens supplémentaires, notamment une IRM, pour pas méconnaître un urinome ou une cause tumorale qui parfois peut mimer une neuronite, hein, mais c'est vraiment une atteinte bien souvent virale. Hein. Et la troisième étiologie que je vais vous parler, c'est la maladie de Ménière. Hein. Donc là, c'est plutôt un trouble pressionnel du liquide endolymphatique. Donc le liquide endolymphatique, je vais me remettre sur une petite coupe d'anatomie, c'est dans le labyrinthe membraneux. Tac, hop, voilà. Dans ce labyrinthe, j'ai oublié de préciser, il y a quand même du liquide qui circule, hein, ce qu'on appelle le liquide endolymphatique. Et dans la maladie de Ménière, ce liquide se met en pression hein, et il va occasionner différents signes cliniques. On a une triade très particulière. Hein. C'est vraiment trois choses, la surdité, l'acouphène du même côté que la surdité et la crise vertigineuse. Donc c'est une maladie chronique. Hein. C'est des gens qui vont présenter des crises de vertige. Hein. Et bon, il y a différentes évolutions. Hein. Nous, après, bon, en tant qu'ORL, on va mettre un traitement de fond. On va conseiller certaines règles, hein, notamment pas trop manger salé, bien s'hydrater. Et bon, souvent, on a affaire à des gens quand même assez stressés, beaucoup d'émotions, donc on n'hésite pas à conseiller des soutiens un peu sophrologie ou psychologique. Après, bon, il y a d'autres traitements que le bêta-histine, mais ça, c'est en fonction d'évolution de la maladie, hein, parce que parfois, bon, on a la surdité qui s'aggrave, on a des crises de plus en plus fréquentes malgré un traitement de fond. Et par rapport aux kinés vestibulaires, on peut être amené à travailler avec eux hein, dans la maladie de Ménière. Surtout quand ils ne sont pas très bien, on n'hésite pas à travailler avec eux. Mais Olivier pourra peut-être vous en toucher un petit mot s'il le souhaite. Donc je vous ai évoqué un petit peu les trois maladies, les trois étiologies vertigineuses, les principales. Hein, donc le vertige paroxystique positionnel bénin, la neuronite ou névrite vestibulaire et la maladie de Ménière. Nous, c'est ce qu'on voit le plus souvent en pathologie ORL. Après, vous avez les deux autres causes tumorales que j'ai pas détaillées hein, dans le topo. Vous avez faut se méfier quand même aussi des AIT. Mais bon, ça, il y a d'autres signes qui vont avec des signes neurologiques. Hein. Alors. Si vous êtes amené à avoir des vertiges en consultation, il faut être vraiment en alerte sur plusieurs signes, notamment donc, s'il y a des signes neurologie. Le patient qui vous dit « j'ai un vertige brutal, j'ai eu une céphalée brutale, j'ai eu mal à la tête » et d'un seul coup ça a tourné, là c'est neurologique, c'est une urgence vitale. Donc c'est bien souvent l'IRM en urgence hein, pour éliminer un AVC hein, ou une rupture d'anévrisme ou d'autres choses. Hein. Celui qui vous dit « j'ai une diplopie, je vois double », c'est pareil, hein, c'est une urgence neurologique. Des paresthésies, j'ai le bras engourdi, au niveau des jambes, des bras,
c'est une urgence et des troubles de la conscience, c'est pareil. Hein. Faut vraiment, là, c'est pas la peine d'aller chercher la névrite, la neuronite ou le vertige positionnel, c'est l'urgence. Encéphalée, diplopie, paresthésie, fou, hop, c'est urgence. Patient qui vous dit, ah, j'ai bougé rapidement, j'ai une grosse douleur dans le cou, là, c'est pareil, vertige, douleur cervicale, urgence vitale, dissection de la terre vertébrale, là, faut y aller, c'est, faut pas attendre, c'est une urgence vitale. Le patient vous dit, j'ai des vertiges, je perds connaissance, oui, bon, là, c'est pas la peine d'aller faire de la rééducation vestibulaire, c'est l'urgence, hein, ça peut être des troubles de rythme, ça peut être une cause cardiologique. Il y a aussi des urgences au niveau ORL, hein, des urgences au niveau du labyrinthe. Le patient vous dit, j'ai une perte d'audition brutale, avec des vertiges, c'est bien de le voir en urgence en tant qu'ORL, parce que parfois, nous, on peut mettre de la cortisone pour sauver en fait le labyrinthe, hein, côté audition. Hein. Parce qu'on sait que la cortisone mise dans les 48 heures, ça peut être très intéressant, hein, pour sauver la cochlée. Et après, dans la deuxième diapo, pour être en alerte, après, sont un peu moins, urgence. On avait le contexte infectieux, la fièvre, l'otalgie. Bon, là, c'est quand même une urgence au niveau du labyrinthe. Ça peut être une labyrinthite bactérienne. Donc ça, c'est une prise en charge généralement au CHU, hein, parce qu'il y a des antibiotiques à mettre en intraveineux, parfois de la cortisone, des scanners en urgence. Si vous avez un patient avec des vertiges et avec une éruption cutanée au niveau de l'oreille, ça peut être une névrite zostérienne, hein, un zona, on a le droit de faire un zona au niveau de l'oreille. Ça peut se manifester par des vertiges avec une éruption au niveau du pavillon de l'oreille. Un patient qui a des antécédents de chirurgie otologique, c'est vrai que là, avec des vertiges, il faut toujours se méfier de la labyrinthite, donc l'infection du labyrinthe, infection bactérienne, ou également de la fistule périlaphyntique. La fistule périlaphyntique, ça va être une communication entre l'oreille moyenne et l'oreille interne. Tac, je vais vous remettre sur un petit schéma anatomique. Tac, voilà. Hop, hop, voilà. Donc, ça va être une communication entre là et là, tout simplement. Hein, donc, la fistule, c'est vrai que ça peut être spontané, mais aussi dans des conditions traumatiques ou des interventions, et là, bon, c'est une prise en charge ORL, hein, particulière. Tac. Voilà. Ensuite, des contextes d'hyperpression, comme un accouchement qui ne s'est pas très bien passé par voie basse, des efforts de poussée, une plongée, un effort de mouchage, et après, on voit apparaître un vertige, se méfier toujours de la fistule périlaphyntique qui nécessite un avis ORL. Hein. Et après, bon, je reviens à nouveau sur la fistule, dans les contextes de traumatisme cervical ou crânien. Contexte de traumatisme cervical ou crânien, fistule périlaphyntique, cervicale, se méfier de la dissection artère vertébrale, qui est une urgence vitale. Bon, après, je fais quelques mots de biographie. Bon, il y a quelques petits bouquins qui sont pas mal. Voilà, donc moi, je m'arrête là pour mon petit topo. Après, je vais laisser la main à Olivier. Donc, bien sûr, après, bon, il y aura une partie foire aux questions, hein, si j'ai bien compris. Voilà, voilà, voilà. Bon, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Merci, Angélique. Non, c'est très bien. Voilà. C'est très bien, merci. C'était clair. Et puis, je pense que pour nous, kinés, c'est largement suffisant. Et de toute façon, ce qu'on demande... En plus, c'est de repérer des signes d'alerte, comme tu les as montrés, et donc de pouvoir réorienter si besoin. Donc, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc, Olivier, à toi de jouer. Et du coup, je te laisse la main. Je me présente, je suis Olivier Guiton, je suis kinésithérapeute à Saint-Cluz-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Je suis diplômé depuis 2012 et... J'ai d'abord fait plutôt un cursus apprentissage de thérapie manuelle, orthopédique, etc., un cursus long. Et je me suis intéressé à la kiné vestibulaire il y a 3-4 ans. J'ai fini ma formation en 2017. Et quand je suis arrivé au cabinet où je suis actuellement, en fait, c'est les collègues qui m'ont demandé est-ce que tu pourrais nous faire un petit truc rapide pour savoir s'il y a un patient pendant une de nos consultations qui nous dit... Dans son recueil de données, j'ai des vertiges ou autre,
Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question pour prendre en compte l'information? Et du coup, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est un espèce d'arbre décisionnel qu'on a essayé de construire ensemble pour que vous puissiez savoir si ça peut être dans vos compétences ou pas, quelques tests à essayer de faire si vous avez éliminé les signes d'alerte dont parlait Angélique juste avant. Donc, on va essayer ça. Et en fait, si le patient vous dit cette phrase, dans votre tête, il peut se passer plein de trucs, parce que vous avez peut-être entendu parler d'origines différentes. On vient de parler de l'origine d'oreille interne. Peut-être que vous avez entendu que ça pouvait venir d'un problème cervical, une dysfonction de l'articulation temporomandibulaire. Est-ce que c'est un problème central? Est-ce que c'est tumoral? Est-ce que ça peut être dû à une prise de médicaments? Donc, on va essayer de faire le tri là-dedans avec des questions simples à poser aux patients, éventuellement quelques tests pour voir ce qu'on peut en tirer. J'ai juste fait une petite diapo d'épidémiologie parce que j'ai trouvé une biblio de 2019 là-dessus. Et c'est pour vous donner une idée, parce que ça touche quand même 15 à 20% de la population adulte. Donc, c'est assez. Il y a une prévalence qui est quand même assez importante. Et on voyait bien dans le diagramme que montrait Angélique, les origines vestibulaires sont quand même une grande part des étiologies, avec donc le VPPB, la névrite et puis les vertiges de Ménière. La prévalence augmente souvent avec l'âge. Il se trouve que c'est beaucoup plus présent chez les femmes que les hommes. Et ça, on en parlait tout à l'heure. Un truc dont on n'a pas parlé, qu'on ne voulait pas développer ici, s'il y a des questions sur le sujet, éventuellement on pourra en parler, mais les migraines vestibulaires, c'est un gros point aussi. Bon, en tout cas, les associations céphalées et vertiges, il y a de plus en plus de personnes qui nous en parlent, je trouve. Donc, c'est intéressant à savoir. Donc, si un patient vous dit qu'il a des vertiges, pour nous, un vertige, c'est juste ça, c'est-à-dire la pièce qui tourne autour de lui. S'il vous décrit autre chose, pour un kiné vestibulaire ou un ORL, ce n'est pas un vertige, c'est une instabilité. Donc, ça peut être vraiment la première question à poser, c'est quand vous avez votre symptôme, est-ce que vous voyez la pièce qui tourne? Et là, on sait déjà qu'il y a une petite indication sur une origine vestibulaire, peut-être. Et alors là, j'ai fait une liste de questions. On va les reprendre dans l'ordre après avec l'arbre décisionnel. Donc, est-ce que c'est la pièce qui tourne? Est-ce que c'est vous qui avez l'impression de tourner dans la pièce? Des fois, les patients, ils sont capables de vous dire la différence. Dans quelles circonstances c'est apparu? On en parlait tout à l'heure avec Angélique, est-ce que c'est tout le temps ou est-ce que c'est dans certaines prises de position? Ça indiquait plutôt une étiologie ou une autre. Combien de temps ça dure le symptôme en question? C'est une question hyper importante qui va vous amener plein de réponses. Et s'il vous dit que ça ne tourne pas, il peut vous dire ou vous pouvez lui demander, est-ce que vous avez l'impression d'être sous? Est-ce que vous avez l'impression d'être sur un bateau? Des choses comme ça. C'est ça vraiment des descriptifs d'instabilité. Est-ce qu'il se sent déséquilibré? Est-ce qu'il a l'impression d'être tombé ou est-ce qu'il est vraiment tombé? Et tout ça, ça va orienter sur des troubles réels ou potentiels qui vont nous donner des infos. Donc l'arbre décisionnel, il ressemble à ça. Ne paniquez pas, on va tout reprendre point par point. Donc, vous avez posé votre première question, est-ce que la pièce, elle tourne? Si le patient, il dit oui, il y a plusieurs options possibles. Le plus souvent, c'est apparu d'un coup, sans vraiment crier gare, pas de signe précurseur, etc. C'est venu très très brutalement. Si vous dites oui, ça arrivait comme ça, je n'ai pas senti venir. Après, vous pouvez poser la question, dans quelles circonstances ça se produit? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire quand ça s'est produit, etc.
Et là, il y a trois grandes possibilités. Si ça se produit que au changement de position, une fois qu'il a répondu oui à cette question, il faut lui demander, quand vous avez votre symptôme, ça vous semble durer combien de temps? Et là, il va vous dire quelques secondes. Ça dure vraiment pas longtemps. C'est ce que disait Angélique tout à l'heure. Je me couche le soir, je me retourne pour éteindre la lumière, boum, j'ai la pièce qui tourne pendant 30 secondes. Et après, si je bouge plus, ça s'arrête. Et si je me relève, ça va retourner à nouveau, mais pareil, moins de 30 secondes. Et là, on revient sur le diagnostic du vertige positionné par le cystite bénin, où effectivement, le meilleur traitement, c'est la manœuvre libératoire. Donc là, vous pouvez référer soit directement à un confrère qui fait du vestibulaire. Après, on reste à travailler sur ordonnance médicale pour l'instant. Donc, il faut aussi référer au MedG pour qu'il fasse une ordonnance de manœuvre libératoire. Mais vous pouvez être à peu près sûr que c'est ça si le vertige est aussi court et que dans ces circonstances-là. Par contre, si vous dites oui, ok, ça tourne, ok, c'est au changement de position. Par contre, ça m'est arrivé plutôt le matin et ça a duré plutôt 2-3 heures. Et là, typiquement, c'est plutôt le patient qui se lève le matin vers 4-5 heures du matin pour aller aux toilettes. Voilà, il a besoin, c'est pareil, il a besoin de se recoucher et il faut 2-3 heures pour que ça passe. Ça peut être évocateur de ce qu'on appelle un VCP, c'est-à-dire un vertige au changement de position, presque le même nom que le VPPB, mais la différence c'est que c'est plutôt une origine hémodynamique. Donc là, on pourra aller rechercher des dysfonctions de mobilité cervicale supérieure. Typiquement charnière C0, C1 par exemple, ou C1, C2, une rotation d'un côté ou de l'autre. Et là, il y a un bon test pour aller vérifier ça, je vous en parlerai tout à l'heure dans une partie test, mais qui est assez fiable. Donc voilà, moins de 30 secondes, moins d'une minute, plutôt un VPPB, quelques heures, mais toujours au changement de position, plutôt quelque chose de cervical. Et là, vous pouvez faire quelque chose en thérapie manuelle. Après, il ne faut pas oublier que si c'est d'origine cervicale, il peut avoir des douleurs cervicales associées. Donc là, c'est pareil, il faut bien exclure avant l'hypothèse de la dissection de l'artère vertébrale avant d'aller manipuler, bien sûr. Et si on revient à cette question-là, on dit ouais, ça me tourne, mais ce n'est pas que dans certaines positions, c'est vraiment tout le temps, tout le temps. En tout cas, si vous le voyez à distance, ça a duré plusieurs jours, souvent une semaine. On revient plutôt sur le diagnostic de névrite vestibulaire dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment pareil. Là, il n'y a pas de notion de déclencheur particulier. J'ai des patients, ils me disaient, j'étais en train de faire la vaisselle tranquille et j'ai rien demandé à personne, bloum, ça me tombe dessus. Nausées, vomissements, vertige non-stop, jour et nuit pendant 3 jours, et après ça va un peu. Là, il faut plutôt référer au kiné spécialisé, aussi à l'ORL, je pense quand même, pour évaluer la sévérité de l'atteinte, et puis quelle est l'origine du problème entre l'axone ou le ganglion, comme disait Angélique. Donc ça, c'est s'il y a changement de position. Après, s'il vous dit non, ça ne m'est pas tombé dessus comme ça, j'ai senti venir la crise. Là, il faut lui poser la question s'il y a eu des symptômes plutôt auditifs. Une sensation d'oreille bouchée, des acouphènes, pourquoi pas. Est-ce qu'il a l'impression de moins bien entendre d'un côté? Et là, ça va plus nous enrêter vers une potentielle maladie de Meynière, où là aussi, il faut plutôt référer à l'ORL et selon l'atteinte, on va confirmer le diagnostic avec un audiogramme pour savoir si vraiment il y a une surdité unilatérale. Et après, nous, on peut être amené à les voir, en effet. Bien souvent, c'est plutôt après la crise, plutôt une crise qui dure quelques heures, c'est assez variable, il y a des grandes, des petites, c'est des tableaux un peu plus compliqués.
Nous, on a des choses à faire parce que ça donne un tableau juste après la crise. Enfin, pendant la crise, ça donne un tableau un peu de névrite, comme si le côté atteint ne fonctionnait plus pendant quelque temps. Et c'est à cause de ça que ça tourne. Donc voilà, il y a une aura et il vous dit, j'ai eu l'impression que mon oreille se bouchait ou qu'il y avait un acouphène qui se déclenchait et après mon vertige est venu. Ça peut faire penser potentiellement à une maladie de Meyer. S'il vous dit non, c'est pas la pièce qui tourne, mais je me sens pas bien un peu tout le temps, ça dépend des fois. J'ai vraiment l'impression d'être comme sur un bateau ou d'être bourré. Vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont cette sensation de pseudo-ébriété. Là, pareil, il y a quelques petits tests à faire pour essayer d'objectiver si effectivement ça se voit qu'il est instable ou pas. Donc, si le patient il vous décrit qu'il se sent super instable, mais que vous ne voyez pas de troubles particuliers quand vous faites vos tests de Romberg, par exemple, c'est-à-dire debout les yeux fermés, vous ne voyez pas d'oscillation, donc choses comme ça, on peut être dans le cadre d'une dysautonomie, c'est-à-dire que le système vestibulaire ou de l'équilibre en général, il a perdu en performance. Alors, peut-être à cause de VPPB multiples anciennement, peut-être à cause d'une ancienne névrite qui se réactive, voilà, des petites choses comme ça. Et là, après avoir vu un kiné vestibulaire ou un ORL pour vérifier s'il y a des choses particulières, on peut faire plutôt du reconditionnement général, la remise en confiance. Il y a souvent un contexte un petit peu chronique chez ce type de patient, avec des crises répétitives, etc., de tangage, hein, pas de sensation giratoire. Mais par contre, si vous voyez des troubles objectivables, donc un signe de Romberg qui est positif, le patient il est debout, il ferme les yeux, vous voyez qu'il tourne un petit peu dans tous les sens comme une toupie, etc. Là, on peut se poser la question d'une atteinte neuro type AVC cérébelleux, tumeur ou autre. Et là, du coup, on réfère direct en urgence au médecin pour voir s'il faut passer une petite image. Je fais un petit retour sur les vertiges cervicogéniques parce que je pense que ça, en tant que kiné, on a pas mal de patients qui viennent nous voir pour des douleurs cervicales. Et en fait, c'est assez sous-estimé ces histoires-là. Souvent, il y a des antécédents de trauma, éventuellement patho-arthrosique, des hypomobilités C1, C2 autour du segment S4 de l'artère vertébrale, des choses comme ça dans vos examens. Alors bien sûr, si l'accident de voiture il est récent ou s'il y a un trauma crânien récent, vous n'allez pas évaluer tout de suite, hein, il faut d'abord référer, mais si c'est un peu ancien, que ça a apparu après, etc., et qu'il y a déjà eu les drapeaux rouges qui ont été éliminés, pourquoi pas? Et voilà, et c'est souvent des patients qui vont vous raconter des maux de tête intermittents, des douleurs cervicales plus ou moins diffuses, éventuellement un historique de trauma, qui sont vraiment liés aux épisodes d'instabilité. Donc quand il a plus mal à la tête, plus mal au cou, il se sent plus tangué. Donc là, il y a deux petits tests spécifiques par rapport à ça. Donc, vous pouvez les appliquer aussi au VCP de tout à l'heure, là, quand on avait parlé du vertige cervicogénique. Le premier, il s'appelle le cervical torsion test. Je vous montre un peu, mais en gros, faut que le patient soit sur votre tabouret tournant de consultation. Il regarde votre nez, par exemple, vous êtes en face de lui, et il va venir tourner sur le. Vous allez lui demander de tourner sur le tabouret à 45 degrés d'un côté, la tête ne bouge pas. Et là, il ferme les yeux 30 secondes. Et si, quand il les réouvre, au bout de 30 secondes, il ressent son symptôme de consultation, vertige, paresthésie, douleur cervicale, trouble visuel, etc., ça peut être positif pour que le vertige et l'instabilité, en tout cas, soient en lien avec une dysfonction cervicale. C'est un très très bon test inclusif. Parce que la spécificité est très bonne, par contre la sensibilité est vraiment mauvaise, le RV- est vraiment pas bon. Du coup, si le test est négatif, on peut rien en conclure.
Et le deuxième test, qui, lui, j'utilise un petit peu moins parce qu'il a des sensibilités, spécificités qui sont correctes, mais pas extraordinaires pour faire monter en flèche la prévalence, qui s'appelle le Smooth Pursuit Neck Torsional Test. Et c'est la même position. Vous demandez au patient de. Donc, vous avez un stylo dans les mains. Vous demandez au patient de faire sa rotation sur le tabouret à 45 degrés d'un côté. Et vous lui demandez une poursuite oculaire lente. Donc, vous bougez votre stylo et il doit suivre du regard votre stylo. Pareil, pendant 30 secondes. Si ça reproduit les symptômes de consultation, ça peut être un lien cervical. Moins spécifique quand même, donc à prendre avec un petit peu plus de pincettes celui-ci. On n'en a pas trop parlé, et puis je ne développe pas trop non plus, mais s'il n'y a rien de tout ça qui cadre dans le diagnostic, vous pouvez poser la question du traitement médical. Si le patient prend des médicaments pour le trouble du rythme cardiaque, justement, c'est un effet secondaire de l'éphélicaïne ou les psychotropes. Alors, j'ai pas de connaissances plus précises sur le sujet, donc je sais pas s'il y a des questions là-dessus, si toi tu en as, Angélique, mais voilà, dans les antécédents du patient ou dans l'anamnèse, s'il vous parle de ça et qu'il vous parle de vertige, pourquoi pas le garder dans un coin de sa tête. Et donc, les tests dont je voulais vous parler, celui-là, c'est pas un test, c'est une observation. Mais alors, il y a peu de chances que vous voyez, parce que si vous voyez un nystagmus spontané, qui est le plus souvent, si vous vous approchez bien, il va être vraiment visible à l'œil nu, et qu'il y a de grandes chances que le patient il ait une névrite vestibulaire, enfin, au moins une atteinte unilatérale importante d'un labyrinthe. Et du coup, là, il faut référer ORL kiné vestibulaire, clairement. Après, réellement, je sais pas si vous en verrez parce que c'est vraiment présent en début d'atteinte, quoi, les premières semaines. Et vu qu'ils peuvent pas se lever et qu'ils vomissent tout le temps, ça m'étonnerait qu'ils viennent faire leur séance de kiné pour un problème cervical s'ils sont dans cet état-là. Il y a des chances que vous les voyez et ils aient plus l'heure spontanée, mais on sait jamais. Si vous voyez ça, vous savez que c'est une atteinte unilatérale, normalement. S'il n'y a pas de spontané et que vous suspectez une atteinte unilatérale parce qu'il vous a raconté une crise de vertige sans signe d'apparition et qui a duré plusieurs jours avec un vrai vertige rotatoire, vous pouvez faire un head impulse test pour savoir quel côté est atteint et si vraiment il y a un côté d'atteint. Pareil, très bonne inclusion. S'il est négatif, ça ne veut absolument rien dire. Et pour faire ce test-là, vous êtes en face du patient, vous prenez la tête entre les deux mains, vous faites une rotation lente d'un côté, alors il doit fixer votre nez, vous faites une rotation lente du côté que vous voulez tester et un retour extrêmement rapide. Et si au moment du retour extrêmement rapide, vous voyez les yeux qui font « poum » avant de recentrer, c'est que le test est positif. S'il vient faire ça et que ça reste stabilisé sur votre nez et qu'il n'y a pas de nystagmus de rappel, c'est que le test est négatif. Donc, très très bon test inclusif pour les atteintes unilatérales vestibulaires. Et puis après, il y a trois épreuves cliniques qui peuvent montrer une atteinte, plutôt une atteinte unilatérale vestibulaire type névrite. C'est l'épreuve de l'indication des index. Donc, le patient est debout, pieds serrés, il tend les deux bras vers l'avant, les deux index vers l'avant, il ferme les yeux. Si vous voyez les bras qui dévient d'un côté. Ça peut être signe d'une atteinte du côté de la déviation. Test de Romberg, pareil, le patient est debout, pieds serrés, les yeux fermés, bras le long du corps. Si, quand il ferme les yeux, vous le voyez partir d'un côté, latéraliser d'un côté ou de l'autre, il peut y avoir une atteinte du côté de la chute. Et le test de Fukuda, c'est un test debout de 50 pas sur place, les yeux fermés, en montant haut les genoux. Et plus le patient va marcher, s'il y a une atteinte, en fait, il va tourner sur place comme ça, sans s'en rendre compte. Et il va tourner du côté de l'atteinte.
Et c'est pertinent si il tourne de plus de 45 degrés. Sinon, le test n'est pas fiable. Éventuellement, si vous n'êtes pas sûr, hein, si vous avez déjà ces trois tests-là, le Barré, le Romberg et le Fukuda, qui donnent la même chose, pas forcément la peine de faire le suivant. Mais éventuellement, sinon, vous pouvez faire la marche à aveugle. Donc là, l'idée, c'est de faire trois pas en avant, trois pas en arrière à répétition, les yeux fermés. Et là, il va marcher en étoile. Donc pareil, il va tourner du côté de la teinte sans s'en rendre compte. Et donc, si tous les résultats des trois épreuves, test de Barré, test de Romberg et test de Fukuda, tout dévie dans le même sens, donc les bras partent à droite, le patient chute à droite au Romberg et il tourne à droite à la marche en étoile, c'est un bon indicateur, un bon cluster de tests pour dire éventuellement qu'il y a eu ou qu'il y a une névrite vestibulaire, une atteinte unilatérale. Et donc, vous pouvez référer à l'ORL si ça n'a pas été fait ou au kenny vestibulaire. Si par contre les tests sont incohérents entre eux, la déviation des index, ça ne dévie pas. Le Romberg et la marche aveugle, les patients ils vont être très instables, ils vont osciller un petit peu dans tous les sens, faire une espèce de cercle comme ça. Là, ça fait potentiellement plus atteinte neuro type cervelet. Donc là, pareil, on serait plus sur du référé au médecin généraliste, voire au neurologue pour évaluer la partie neurocentrale. Donc, je vous ai remis le truc pour faire un petit résumé. Si la pièce, elle tourne, ok, est-ce que vous l'avez senti venir ou est-ce que c'est venu brutalement? C'est venu brutalement, question d'après, combien de temps ça dure? 30 secondes, moins de 30 secondes qu'au changement de position VPPB, vous référez au kiné vestibulaire, donc au MEDG. Que au changement de position, je ne l'ai pas vu venir, ça a duré 2-3 heures, plutôt le matin au réveil, ça vaut le coup de faire le neck torsional test ou le smooth neck pursuit test pour voir s'il y a un lien vertige cervical. Sauf si il y a une céphalée d'apparition brutale, auquel cas on suspecte une dissection de la terre vertébrale, on envoie chez le médecin. Sinon, on peut faire la thérapie manuelle. Il y a des bonnes données de littérature sur l'amélioration en thérapie manuelle classique. Durer plusieurs jours, pardon. Je suis trompé, c'est plusieurs jours ici, c'est pas plusieurs heures. Vertige permanent, pas que au changement de position. Vos tests, déviation des index, Romberg qui chute d'un côté, la marche sur place qui tourne. Ça sent le déficit vestibulaire unilatéral, on réfère à l'ORL qui réfère au kiné vestibulaire. Je l'ai senti venir, j'ai eu l'oreille bouchée, j'ai eu des acouphènes et après seulement j'ai eu mon vertige, ça a duré quelques heures. Possible maladie de Meniere, je sens que j'entends moins bien d'un côté, ça c'est assez fréquent. On réfère à l'ORL. Si la pièce ne tourne pas, le patient se sent instable, un peu comme sur un bateau. Vous avez des troubles objectivables type Romberg qui bouge dans tous les sens, etc. Et qu'il n'y a pas eu encore d'évaluation neuro, on fait une évaluation neuro. S'il n'y a pas de signe d'alerte objectivable, le Romberg est normal. Juste le patient qui se sent instable, mais il n'est pas visuellement instable. Ça veut dire que normalement, là, il sera déjà à un stade où il aura déjà exploré tous les trucs un peu méchants, entre guillemets. Si tout est clean là-dessus, on peut le prendre en charge dans une réadaptation plus globale avec de la synchronisation œil-tête, par exemple. Hein, si vous voulez qu'on parle de ça après, sur des petits exercices d'oculomotricité ou coordination œil-tête, on peut faire. C'est très bien pour les patients qui sont uniquement cervicalgiques, sans forcément vertige. Et voilà. Donc, comme vous avez vu, il y a plein de choses possibles. Les trois questions de base, c'est vraiment est-ce que ça tourne ou est-ce que ça ne tourne pas? Combien de temps ça dure? Et est-ce que c'est dans certaines positions ou pas? Et quelques tests pour avoir une idée plus précise et on réfère ou pas.
Donc bien définir si ça tourne, du coup si c'est vraiment un vertige rotatoire ou si ce n'est pas le cas. En vrai, vous vous en doutez bien, souvent il y a les deux. Ce n'est pas aussi tranché que ça, donc il faut arriver à jongler un peu avec. Des fois, les tests ne sont pas fiables, notamment quand c'est chronique. Thérapie manuelle très efficace pour les vertiges au changement de position, là, les fameux où ça se passe plutôt le matin, ça dure 2-3 heures, et le neck torsional test est positif. Si on suspecte quelque chose de vraiment vestibulaire, type VPPB ou névrite ou ménière, on réfère à l'ORL ou au kiné. Si j'ai suspicion centrale, c'est le médecin, bien sûr. Voilà la bibliographie. Si vous voulez retrouver les infos là-dessus, les mots-clés sont sur PubMed, DETE, Vestibular Rehabilitation, VPPB et Cervicogenic Dizziness ou Cervicogenic Vertigo. Merci beaucoup pour votre attention. Merci Olivier. Super, merci beaucoup. Je te laisse départager. Ouais. Ok, merci. Bon, c'était super, merci bien. En termes de timing, on avait un truc super. On a fait un peu plus court que les autres fois. C'était très bien. C'était parfait. Je vais en profiter pour vous poser, du coup, il y avait deux questions là, qui sont arrivées dans le chat que je vais vous lire. Et puis ensuite, peut-être que vous avez vu celle qui était... en amont de la conférence. Alors, on a une question sur le vertige cervicogénique ou l'instabilité cervicogénique. Où est-ce qu'elle se situe? Enfin, où est-ce que cette entité se situe dans l'arbre décisionnel? Et ensuite, la pièce ne tourne pas, je suppose, donc on est plutôt à droite de l'algorithme que tu as montré. Ce vertige dure combien de temps? Ouais, vertige cervicogénique, c'est le fameux VCP. Celui dans l'arbre, dans la première partie, où, en fait, si vraiment le patient il a l'impression, il peut avoir l'impression que ça tourne quand il se lève le matin. C'est vraiment ce côté. En fait, c'est pour ça que je vous disais que ça se mélangeait tout à l'heure, c'est que soit il vous décrit ça avec un vrai truc rotatoire qui dure 2-3 heures, le lever le matin au réveil, la tension artérielle au plus basse. Et là, on peut se dire que c'est une petite dysfonction hémodynamique due à une dysfonction vertébrale. Alors là, du coup, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, plutôt C0, C1, C1, C2, maxi. Parce que sur le schéma que nous montrait Angélique là, tout à l'heure, en fait, on voit bien que l'artère nourricière du labyrinthe, elle naît d'une artère vertébrale d'un côté ou de l'autre, puis après, ça vient se mettre au niveau du tronc basilaire et puis c'est distribué derrière, mais... S'il y a une fluctuation de la dynamique sanguine à ce niveau-là, ça peut aller influer. Je ne sais pas si je réponds à la question ou pas. Je pense que si, tu as redit que c'était le VCP. Et du coup, combien de temps est-ce que ça dure? Ce vertige dure combien de temps? Ça dure vraiment, celui du matin, là, ça va vraiment durer 2-3 heures. Ça va pas se passer sauf si le patient reste allongé en gros quoi, chez lui. Okay. Et après, comme on disait, ça peut se mélanger, et ça peut être aussi cervicogénique, mais que le patient vous décrise, bah non, ça tourne pas, mais je me sens un peu instable, particulièrement quand j'ai mal à tel endroit. Super. Une question sur les exercices. Quel exercice mettez-vous concrètement en place pour une atteinte vestibulaire périphérique? Donc il y a des propositions, fauteuil rotatoire, thérapie manuelle, équilibre, mouvement des cervicales. Enfin, qu'est-ce que tu fais globalement? Je pense que la question est très large, mais est-ce que tu as quelques pistes? Ouais. Au tout début de l'atteinte, ce qui améliore le plus le patient, c'est le fauteuil rotatoire, clairement. Parce qu'en fait, globalement, on fait une rééducation par compensation. C'est-à-dire que le côté de l'atteinte, on ne peut pas faire, on peut pas le ravoir. On ne peut pas faire remonter l'activité de l'oreille qui a dysfonctionné. Du coup, on va plutôt chercher à baisser un petit peu l'activité de l'oreille saine. Parce que ce qui crée le vertige, c'est qu'il y a une différence d'information entre le côté droit et gauche. Et nous, ce qu'on veut, c'est redonner un équilibre d'info entre la droite et la gauche en termes de tonus oculaire. Donc, on va faire du fauteuil rotatoire qui va aller stimuler l'oreille qui marche bien
pour demander une réponse moins forte à force de demander des stimulations répétées. Et après, s'il reste des troubles, donc il n'y a plus de vertige, plus de nystagmus spontané, etc. S'il reste des incohérences entre l'oculomotricité et la mobilité, enfin, la motricité cervicale, là, on va plutôt proposer des exercices de type coordination œil-tête, motricité oculaire, etc. Et ça peut même nous arriver qu'une fois ça fini, le patient ne se sent pas, encore pas très bien sur du défilement visuel, par exemple, type scroll de téléphone ou regarder un écran défilé, des choses comme ça sur son ordi. C'est pas rare que nous, quand on n'améliore plus le patient, on demande un bilan orthoptique pour voir si, en faisant du travail oculomoteur pur, est-ce que ça peut finir de réhabiliter le patient. Et souvent, ça marche bien, en fait. Je ne sais pas ce que tu en penses, Angélique, si tu veux intervenir là-dessus, mais ouais, je trouve que ça donne des bonnes choses. Oui, avec les ordres. Ouais. Surtout sur leur paroi de Bowen, là. Hein. C'est pas mal pour les syndromes de désorientation d'automobilistes, hein, les gens qui sont très gênés par les choses qui passent à côté, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. Mais par contre, je fais pas de thérapie manuelle. Non. J'aurais... Complémentaire, hein, c'est pas ouais. Mal, hein. Pour finir de répondre à la question, sur les atteintes unilatérales vestibulaires, je fais pas de thérapie manuelle, c'est pas pertinent. Ok, merci Vivi, merci Angélique. Du coup, Angélique, peut-être une question pour toi. Est-ce qu'il y a une utilité d'une supplémentation en vitamine D sur un VPPB récidivant, mais avec un taux de vitamine D normal? Oui, si ça récidive et que le taux est bien, moi, je n'hésiterais pas à faire une ampoule tous les 3 mois. Hein. Bon, bien sûr, s'assurer quand même au niveau de l'imagerie qu'il n'y a rien en dessous. Hein. On peut avoir des choses qui peuvent favoriser des VPPB, hein, tumeurs, etc. Donc, s'assurer quand même avant. Mais ouais, ça peut être un intérêt. Hein. Ok. Olivier, tu as parlé du coup de l'origine possible des ATM. Et la question, du coup, c'est est-ce que tu peux détailler rapidement le lien que tu peux identifier entre, j'imagine, du coup, ATM et puis... Et puis vertige, peut-être qu'Angélique aussi a une partie de réponse dessus. Je l'ai juste mis dans la présentation parce que j'ai des patients qui m'ont posé la question, qu'ils ont entendu l'info par leur thérapeute ou par leur médecin ou par leur ostéo. Je n'ai pas creusé le sujet parce que, à ma connaissance, il n'y a pas de lien, sauf un lien direct qui est... On sait qu'il y a un lien entre mobilité ATM et mobilité cervicale supérieure, par exemple. Donc, si l'une vient impacter l'autre et que le patient décrit un vertige qui vous semble cervicogénique, pourquoi pas. J'ai cherché dans la littérature et j'en ai volontairement pas parlé parce que j'ai rien trouvé de cohérent, clairement. Ok. Angélique, qu'est-ce que tu as autre chose à... Je suis d'accord avec Olivier, hein, au niveau de l'ATM, purement le problème d'ATM ne donne pas force, donne pas de vertige. Après, c'est l'ensemble de la posture. Hein. Après, il faut partir des pieds jusqu'à la tête, hein, ne pas oublier la posture. Hein. À partir du moment où les gens qui sont un petit peu instables, avec un bon fonctionnement vestibulaire, pensez aussi tout ce qui est semelle orthopédique, podologue, hein, alors rejoindre dans la posture. Hein. Et on peut avoir des gens avec des petites asymétries. Alors, je suis pas stomatologue, mais oui, on peut voir des gens avec... voilà, il faut prendre vraiment le corps dans son ensemble, là. OK. Pour le fauteuil rotatoire, peut-être du coup, Olivier, quel protocole tu utilises et quelle progression? La progression, c'est celle du patient. Et ça va vraiment être personne dépendant, mais en gros, le protocole que j'utilise, c'est un premier essai de rotation rapide à environ 400 degrés secondes sur 3 tours. Le patient a les yeux fermés, il ouvre les yeux à l'arrêt du fauteuil, il doit fixer une cible et nous dire en combien de temps la cible se stabilise visuellement. Et s'il y a une différence de temps d'arrêt, enfin de temps de stabilisation entre la droite et la gauche, on essaie de... réduire le temps d'arrêt le plus long. Et donc là, c'est par,
C'est par répétition de trois tours de fauteuil, patient ouvre les yeux, je chronomètre. S'il ne sent pas bien, nauséeux, etc., on fait une séance plus courte, mais plus répétée dans la semaine. S'il tolère bien les rotations répétées, ça peut m'arriver de faire 4 ou 5 fois 3 tours pour aller descendre, enfin, diminuer l'activité de l'oreille saine, si la tolérance est bonne. Et une fois que ce temps-là est équilibré, on s'y maîtrise en vexion. Donc le patient n'ouvre pas les yeux quand le fauteuil s'arrête. Et là, il a l'impression que le fauteuil repart à l'envers et on chronomètre le temps pour le temps que ça prend pour s'arrêter, cette sensation-là. Et pareil, il faut que ça se symétrise droite-gauche. Une fois qu'on a tout ça et qu'on a un équilibre dans ces deux types de temps-là, s'il y a des symptômes de vertige qui se produisent plutôt au défilement visuel type nausée en voiture, etc., on va plutôt proposer une rééducation qu'on appelle optocinétique. On va essayer de stimuler le réflexe optocinétique pour essayer d'enlever l'incohérence entre ce qui défile visuellement et les informations de l'oreille interne, en gros, qui peuvent ne plus être bien gérées par le cerveau une fois qu'il y a eu l'atteinte unilatérale. Okay, super, merci. Du coup, il y a un complément à la question. Donc, on recherche juste l'équilibre, pas à diminuer le délai qui peut être long dans ce que tu viens de dire. Non, on cherche à diminuer le délai long, enfin le plus long des deux. Mais si les deux temps sont identiques et que c'est très long à l'arrêt, si c'est identique et que le patient n'est pas symptomatique, on ne diminue pas. C'est ce qu'on n'a pas d'internet. Ok, merci beaucoup. Je reprends juste quelques questions qui avaient été posées en amont. Il y a une question sur les commotions cérébrales. Est-ce que la prise en charge des commotions cérébrales via la thérapie vestibulaire a lieu d'exister dans la pratique kiné actuelle? Est-ce que vous avez une idée là-dessus ou pas? C'est un petit peu, c'est pas exactement le sujet, mais en tout cas, ça parle de l'intérêt du vestibulaire dans ces types de problèmes-là. J'ai pas de notion sur le sujet, je sais pas si tu en as, Angélie. Ça m'est arrivé une fois qu'on m'adresse un patient dans les suites d'un trauma crânien pour problème de vertige. Ça n'a pas donné grand chose, même si j'avais des signes d'hyperactivité d'un côté. Je peux pas répondre à la question honnêtement parce que j'ai jamais vu en pratique et littérairement, je sais pas. Okay. On a souvent parlé en fait par rapport à ça, post-traumatique, syndrome subjectif, là, des traumatisés crâniens. Voilà, c'est tout ce qu'on m'a dit, mais après, j'ai pas plus de notions que ça. Ok. Pour ceux qui sont intéressés, j'en profite. Il y a un Canadien, ouais, Langevin, qui a fait un gros travail sur les commotions cérébrales. Donc peut-être que ceux qui s'intéressent. Regardez via cette personne-là, c'est Langevin au Canada, je crois que c'est Luc, je suis pas sûr, mais c'est Langevin. Et du coup, il a fait un gros travail sur les commotions cérébrales. Ouais, aujourd'hui, c'est lui un peu le référent là-dedans. Pierre Langevin, merci Julien. Donc, le prénom, c'est Pierre. Et une autre question pour peut-être clôturer, parce que c'est une question plutôt d'ordre de faisabilité. Donc entre kiné et médecin ORL, donc vous deux puisque vous travaillez ensemble aussi, comment est-ce que vous avez créé vos échanges, comment vous articulez vos échanges autour de vos patients, quelles sont les modalités que vous pouvez conseiller pour créer ces échanges-là et améliorer les relations entre médecin et kiné, quoi. Déjà, au niveau médecin, je pense déjà donner un bon compte-rendu quand même au kiné pour savoir où aller. Je pense. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Olivier. Oui, effectivement. avec, pas seulement rééducation vestibulaire, point, puis tu te débrouilles. Donc, peut-être aller vraiment voir nous ce qu'on a vu, ce qu'on pense. Et puis, c'est vrai que de l'autre côté, le kiné n'hésite pas quand ça ne va pas ou tu n'en sors pas. C'est vrai qu'on a l'appel facile, quoi. Voilà, c'est vraiment des relations. Voilà.
C'est pas... Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Olivier. Ouais, je suis d'accord. Je pense que le lien, il s'est créé plutôt par les bilans, en fait. Voilà. On disait autant voilà, le fait que l'ORL envoie un bilan propre au kiné pour savoir ce qu'il a vu, et inversement, même si c'est un patient qui a été envoyé par le médecin généraliste et qu'on aimerait bien qu'il voit l'ORL, on envoie un petit courrier en disant voilà, j'ai déjà fait ça. Mais en fait, c'est ça qui crée le lien. Et après, effectivement, on a quelque chose qu'on ne comprend pas, compliqué, on passe un coup de fil. Ça se fait assez facilement, en fait. Ok, ben merci beaucoup. Je crois qu'il n'y a plus d'autres questions en direct, là. On vous remercie beaucoup pour la présentation. Je crois que tout le monde a apprécié. Il y avait juste une question par rapport aux médicaments. Il y a des médicaments quand même autotoxiques, hein, qui peuvent abîmer l'oreille interne, hein, tant sur le plan vestibulaire qu'audition, notamment tout ce qui est aspirine à dose très forte, les médicaments également, les diurétiques, certains diurétiques, hein, les diurétiques de Lens. Vous avez aussi tout ce qui est chimiothérapie, hein, le dérivé de la cisplatine, ça peut abîmer l'oreille. Hein, Et vous avez aussi les traitements autotoxiques locaux, hein, les certaines gouttes. Hein, si vous avez une perforation du tympan, que vous mettez un antiseptique, par exemple la chlorhexidrine, ça c'est toxique, hein, pour l'oreille. Hein, donc on peut avoir des vertiges après, suite à ces traitements. Voilà. Super. Merci. Merci pour les précisions. Ouais, c'est important pour nous aussi de savoir. Quand on pose les questions dans l'anamnèse, même si on ne connaît pas toutes les molécules, d'avoir quelques idées sur les effets secondaires possibles. Donc, c'est top. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Avant que les participants s'en aillent, donc un petit mot de CNKR. La prochaine conférence, ce sera en juin. Vous pouvez déjà noter la date. Donc, c'est le 24 juin, le jeudi 24 juin. Et ce sera sur un thème actuel ou qui va le devenir encore plus sur les red flags. Donc, on aura la chance d'avoir Thibaut Desjardins et puis deux autres personnes dont j'ai oublié les noms encore, mais qui ont participé à l'élaboration d'un livret sur les red flags en musculosquelettique, enfin, en tout cas en prise en charge kiné. Et donc, ils vont nous détailler ça le 24 juin, donc à peu près à la même heure, sur le coup de 20h30. N'oubliez pas la cagnotte Litchi aussi pour pouvoir participer. Hein, l'objectif, c'est quand même de recueillir quelques fonds pour qu'on puisse, quand on pourra, repasser en présentiel et faire... intervenir d'autres types de personnes, ou en tout cas peut-être cumuler des grosses soirées aussi, et sur lesquelles on devra utiliser quelques fonds monétaires. Mais voilà, donc on vous dit au 24, et merci pour votre participation. Merci à Angélique et à Olivier pour la conférence. De rien, merci de votre invitation. Merci de l'invitation, merci pour les questions qui étaient très pertinentes. Voilà, c'est comme ça que se termine ce replay. Merci beaucoup d'avoir été présent avec nous. Vous pouvez rester en lien avec l'association CNKR en vous abonnant à notre page Facebook ou en nous demandant d'être sur la liste d'envoi de mail d'information à contact@cnkr.gmail.com. Voilà, bonne journée à vous et à bientôt. Au revoir.